retourné sur le terrain de Horsball. Et là, il faut qu'on gagne avec Félix. Félix au repassage. Encore en numéro 3 et Olivia en numéro 4. Et toi en numéro 5. Félix du côté de Longueuil. En numéro 2 c'est Barbara. Kevin le numéro 3. Florian le numéro 4. C'est Kevin le numéro 5. Et Gabriel en numéro 7. Alors, le ballon dans les mains de Julien. Julien, il est pris par la défense de Longueuil. Et il va ressortir. Voilà. Récupérer les tennis par Thomas. Allez, Julien toujours. Julien qui accélère sur la droite, qui essaye de passer. Alors, Julien toujours, mais la défense de Longueuil résiste bien. Elle est en face, défense des joueurs de lui. Du côté de la Chéquerel du coach, et qui donne cette instruction peut-être là. Alors Jules peut-être, mais Jules qui... Regarde sur les tops, hein. Alors c'est l'égalisation... L'égalisation de Mache sur cette action. Offensive du numéro 3 à Longueuil. Julien. Et c'est le numéro 3, Julien, qui marque un deuxième but pour la formation de Mache. Gabriel, au lancer pour Longueuil. Au niveau de la touche, et c'est Longueuil qui conserve le ballon ici sur cette pénalité 3. Il y avait deux défenseurs sur le même joueur, donc même si Félix avait réussi l'arrachage, c'est de suite à deux défenseurs, donc la pénalité 3. Et pour Mache, le shoot tenté avait raté de la part
du numéro 5 et la récupération du ballon par l'équipe en rouge. Alors qu'on a Barbara ici, Barbara qui tente le débordement. Et qui ressort. Félix avec Florian qui va ressortir probablement. Qui joue avec Félix, Florian, c'est Théodie, mais Florian ne peut rien faire. Et Félix qui ressort avec Calvin. Calvin qui part pour alors, temps mort arbitre. Donc, qui est donné à Longueuil sur cette faute défensive du côté de Vache. Félix et Barbara. On sera sur une croix bleue, une croix rouge, on est gravé sur un nouveau. Alors, cette fois-ci, c'est coup de foot du numéro 3 de Longueuil qui est pénalisé. Et c'est Mach qui récupère le ballon. Jules qui se fait contrer sur ce tir. Et ce ballon qui avait été fait dans le boudin finalement trouve la voie du filet. Et un troisième but pour Mach qui pour l'instant. Allez, c'est une pénalité 3 pour Mach, puisque on n'est pas droit sur cette touche. Alors, les instructions du coach pour tourner avec Jules là, Jules qui va essayer de trouver une solution. Donc on rappelle ces joueurs jusqu'au fond du terrain. Jules qui trouve son petit coup de matoche. Alors, le ballon qui est ramassé, conservé par Mach ici, Mach. À 3 minutes 30 de la fin de sa première mi-temps, avec début d'avance. Mach qui prend le ballon. On n'arrive pas à décoller sur ce score de 3 buts à 1. Et c'est Longueuil qui a récupéré le ballon. Longueuil
Voilà. Donc Longueuil avec Gabriel, Florian, Kevine, Gabriel, Barbara, Gabriel, on a un peu mal à passer du côté de Longueuil. Alors, Kevin, Longueuil qui part à l'assaut du but, Lachois. Et on repart sur une pénalité 3 pour Longueuil avec son capitaine Félix. Alors, Félix avec Florian, Gabriel. Alors, Florian, ça manque un peu de dynamique du côté de Longueuil, peut-être. Et... Alors, Félix, Félix qui repart du fond du terrain avec Kevin, Félix peut-être. Avec Gabriel, Gabriel peut-être qui va pouvoir finir. Pour l'équipe de Longueuil à 1 minute de la fin. Alors, tout petit score à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Olivia, demi-tour.
lâcher ce ballon et ce qui va donner pénalité 3 à Longueuil. Pénalité 3. Donc Longueuil qui est à 2 buts de retard sur la formation lâchoise. Et qui va essayer là. Alors, Calvin qui essaye de passer dans les petits espaces. Et voilà. Et il fallait y aller jusqu'au bout puisqu'il a tenté de passer dans tous les espaces. Alors, un petit peu de retard maintenant. C'était Longueuil, Calvin qui vient de marquer. Dans la formation rouge, du pouvoir. Donc c'est un champion de lanceur. Deuxième remblon, vous êtes dans le couloir. Et c'est lancé au deuxième rang et bien pris par le numéro 5. Yeah! Yeah!
les dommages ainsi que donc 6-4. Yeah.